PRTQ, Programme régulier des travailleurs qualifiés du Québec. C'est un programme que le gouvernement Québec a gagné, côté que depuis qu'on qualifié dans le programme ça, on a eu une chance de vivre dans la province du Québec avec toute résidence permanente ou avec famille. Dans la vidéo aujourd'hui, nous pourrons voir tous les détails du programme ça. Et dans la prochaine vidéo, nous dirons qui j'en pour appliquer là-dedans. Retuivez toute vidéo ça pour bien comprendre le programme ça avant de appliquer là-dedans. Bienvenue dans la rubrique Visa. Non pas M. Béthiou, moi avec Anne Lodja, nous tous deux à vivre Montréal. Nous créons la rubrique ça pour nous guider et donner de bonnes informations sur qui gens qui viennent vivre, travailler et étudier au Canada. Nous ne sommes pas comme nous mêmes, nous pas avocats, nous pas bail visa, nous pas consul. Nous juste là pour nous partager l'expérience nous avec vous parce que nous t'es passé dans le processus ça y est avant. Chaque dimanche, nous laguons une vidéo différente côté que n'a parlé de immigration au Canada. Si vous faites qu'à regarder vidéo ça, n'a pas oublier abonner à la chaîne YouTube noire qui c'est Anne Lodja. Pas oublier partager l'examen famille parce que plus nous gagnons, plus n'a gagne courage chercher bon genre information pour vous. Dans la vidéo semaine passée, nous t'ai parlé de journée internationale de recrutement des étudiants et travailleurs étrangers au Québec. Journée ça, c'est Québec en tête qui t'est organisé, côté que, dans le programme ça, il permet étudiants de joindre une lettre d'appui pour qu'ils fassent demande de permis d'étudiants. Et pour travailleurs, il permet de joindre un visa de travail pour qu'ils aient le travail dans la province Québec avec toute famille. Et à partir de 28 septembre, Québec International a commencé à relayer les gens qui t'est inscrit dans le programme ça pour qu'ils passent entrevue. C'est peut-être ça, dimanche prochain, cap 27 septembre, à 8 h PM, n'a fait un live sur channel YouTube nous qui c'est Anne Lodja pour étudiants et travailleurs qui étaient appliqués dans le programme ça. Dans live ça, n'a expliqué nous qui gens pour nous passer entrevue Québec en tête là, qui type de questions yo habitué poser et qui gens pour nous répondre questions yo pour nous ka bien passer entrevue. Et si vous même vous êtes un nouveau abonné ou bien ou pas de chance inscrit dans le programme Journée Québec là, m'a dit qu'à toujours suivre live là parce que Journée ça yo fait régulièrement. Donc, vous pouvez toujours participer dans le live là pour l'aider en prochaine inscription pour qu'à préparer à l'avance. Province Québec, c'est celle province qui sélectionne propre immigrant PAL. C'est ça que fait sauver à vivre dans province Québec, faut faire demande résidence permanente ou dans le programme qui relie programme régulier des travailleurs qualifiés du Québec qui c'est PRTQA. Pour faire demande résidence permanente pour Québec, Forfait Québec bord un document qui relie CSQ, Certificat de sélection du Québec. Même Jean pour étudiant yo a besoin CAQ, Certificat d'acceptation du Québec. Eh bien, yon monde qui veut venir vivre Québec a besoin faire une demande CSQ. Lorsqu'on joint CSQ a avec document ça, ou ka a demandé gouvernement Canada résidence là. C'est na étape ça gouvernement Canada a demandé passer un examen médical, certificat de police, empreinte digitale, etc. Qui j'en pour faire pour joindre document qui aurait les CSQA? CSQA, j'en ai dit tout à l'heure, c'est le premier document qu'on a besoin pour qu'on fait demande résidence permanente pour qu'on vive dans la province Québec. Pour Québec bord CSQA, l'évalue profil ou à partir d'une grille de sélection. On va faire point en fonction de niveau formation ou avec domaine formation ou expérience professionnelle ou ajout compétences linguistiques ou voyage ou t'es fait déjà avec soit membre famille au Canada, soit offre d'emploi, soit timoun moins de 22 ans qui vient vivre avec à capacité financière. Pour capacité financière là, mais combien qu'on a besoin pour vivre sous compte. J'en ai regardé dans tableau ça, si ou vienne pour compte, ou a besoin environ 3 200 $ sous compte. Si ou vienne avec mari ou bien madame, ou a besoin environ 4 700 $. Si vous avez un petit monde qui a accompagné ou qui a moins de 18 ans, vous avez besoin d'environ 5 300 $. Pour l'expérience de travail, il faut que l'expérience de travail vous gagnez dans les 5 dernières années qui sont passées. Ça veut dire, si nous en 2020, il faut que l'expérience de travail vous fait de 2015 à 2020.
et faut métier à nan niveau A, 0, B ou C. Si ou pas kon nan ki niveau métier lan yé, mwen gen atik sou site Enloja kap permet ou détermine nan ki niveau métier lan yé. Pour niveau d'études, yo accepte moun ki fini l'école ki fè philo et ki gen yon diplôme d'études professionnelles nan men yo. Sa vle di, faut nou fini l'école et faut nou gen yon métier. Yo accepte diplôme universitaire tout. Plus niveau a ou, plus wap gen chance. Pour domaine de formation, mwen mette yon liste domaine de formation pou wè si métier lan la dan. Se liste métier sa yo ke gouvernement Québec lan accepte. Pour compétences linguistiques, yo bay point tout pour français ou bien anglais, mais anglais a pas obligatoire. Jan ap gade nan image sa, men liste test ke gouvernement Québec lan accepte nan programme PRTQA. Par exemple, yo accepte TEFAC, test du français adapté pour le Québec, TEF Canada, etc. Pipiti note pour faire, c'est niveau 7 ou bien niveau B2 pour ka participe nan programme sa. Ou pas obligé gen tout critère sa yo. Mais plus ou gen, plus ou ap gen chance jwenn CSQA. Si ou marié, ou ap ka ajoute mari ou bien madame ou nan demande lan. Ak tout petit tout, mais fòl pou ko gen 22 ans. Pour ka aplike, gen yon grille de sélection qui permet ou konnen combien points ou fait. Si ou avini pou kotou, ou suppose fè 50 points. Si ou avini avec mari ou bien madame ou suppose fè 59 points, jan ou wèl nan image la. Mwen mette lien vers grille la nan description vidéo pour ka fè calcul nombre de points ou fait. Et l'heure fin aplike, gen yon délai de 6 mois pou yo bon réponse environ. Mais sa ka arrive li prend plus que 6 mois. Pour nou aplike nan programme sa, gouvernement Québec la mette yon portail ou bien yon site web ki yo rele Arima. Lena sou site Arima, li permet nou rempli profil nou en ligne. Yap mande nou information tankou niveau d'étude nou, si nou gen yon offre d'emploi, mais li pa obligatoire. Yap mande nou ki note nou fè pou français, domaine de formation nou, etc. Lè nou fin rempli profil nou, yo rele sa yon déclaration d'intérêt. Sa vle di, nou manifeste intérêt nou pou nou al vivre nan province Québec. Déclaration d'intérêt sa li valable pendant 1 an. Sa vle di, après 1 an la pe expire. Si Québec sélectionne ou avant 1 an, se lè sa gouvernement Québec lan la bon document ke yo rele CSQ an. Mais si après 1 an yo pa sélectionne ou, profil ou ap expire, ou ap oblige re-rempli yon profil encore. Ou bien, ou ap re-rempli yon déclaration d'intérêt. Nan prochain vidéo, m'ap montre nou ki jan pou nou rempli déclaration d'intérêt sa, ki jan pou nou fè évaluer diplôme nou, parce que se pa même institution nan entrée express lan ki pou fè évaluer diplôme nou. Se yon institution ki au Québec kap évaluer. Nan vidéo jodi an, mwen ba nou information sou programme PRTQA. Mwen konnen nou gen pile question. Tankou, ki jan pou nou aplike? Ki jan pou nou fè konnen si nou éligible? Est-ce que faut que nou fè évaluer diplôme nou? Ki jan pou nou fè évaluer diplôme nou? Nan prochain vidéo, m'ap montre nou ki jan pou nou aplike? À qui gens pour nous préparer tout document nous yo. Merci.